de 22 ans, il mesure 1m75, un poids sur la balance. Michel Griscos. Son adversaire, il est titulaire à l'INSEP, il est en équipe de France, il nous arrive du Boxing Club Troyen, entraîneur Mamadou Patili. Âgé de 20 ans, il mesure 1m77, il accusait d'un poids sur la balance de 67 kg 900 g. Un palmarès amateur de 70 combats. On accueille, mesdames, messieurs, le Victoria Money. Et on est parti pour le dernier combat élite international de cette soirée, qui oppose Victoria Money, membre de l'équipe de France, interne à l'INSEP, 70 combats amateurs. Face à l'adversaire, le Polonais. Un gros combat qui s'annonce. Beau combat. Victoria Money qui était là l'année dernière à ce gala. Il avait fait un France-Pologne où il avait gagné par KO avant la limite. Du coup, ça s'annonce explosif avec Victoria Money. Un combat dans la catégorie des moins de 69 kg. Un très beau plateau ici à Châteauneuf-sur-Loire. Avec des combats élites, des combats franco-français, des combats internationaux et même des combats professionnels. C'est super. On voit la sérénité de Victoria imposée. Les bas hautes, il esquive, il prépare bien ses attaques. On sait qu'il frappe très fort. Il prépare bien, il est puissant. Ah, il bloque bien les coups, il les accompagne bien. Ah, il est calme, j'aime bien ça, il est calme. Ah, il a bien touché là au foie, il a bien touché. Beaucoup au foie. Victoria Money, vice-champion de France senior l'année dernière. Très beau parcours. Ouh, quelle crosse du bras arrière! On entend l'impact des coups. Oh, les coups sont puissants. Oh là là, il est précis, Victoria, il est précis. Il cherche l'efficacité. Quand il tape, c'est pour toucher, c'est pas pour taper dans les gants. Voilà, c'est bien, il travaille bien Victoria, il varie les cibles, les moyens de défense, oh c'est beau. Oh là là, c'est beau ça, oui, ah il se fait, oh là là, ça c'est beau ça. Ah, fin technicien Victoria. Ah il est précis, hein. Ah il est beau Victoria, il est beau. Oh là 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 là. Oh là là, quel buste. Fin de la première reprise. Totalement maîtrisé par Victoria. Totalement maîtrisé, j'ai bien dit. Victoria Body qui a nettement dominé la première reprise. Connaissant Victoria Body, il sera de plus en plus actif au fil des routes. Du coup, je vous assure que la deuxième reprise, ça va être encore mieux que celle-là, que la première. Ah, le Polonais, il est vaillant, il va au combat. Il aime bien le combat à mi-distance. Oh, à droite, elle est passée au-dessus. Là, ça, c'était beau, ça. Oh oui, il percute. Ça, c'est beau, ça. Oh
là, le cross. Oh, ça a bien touché, ça. On voit qu'il cherche l'efficacité, Victoria. Il travaille pas, il prépare, mais on sait que quand il va frapper, c'est pour toucher. Il préfère bloquer et ne rien faire que bloquer et remiser dans le vide. Il a raison. L'efficacité avant tout. Il domine. Il se met pas en danger. Il se fait plaisir. Ah, il bloque bien Victoria, des très bons blocages, il accompagne bien les coups. Ah là là, c'est beau ce qu'il fait avec ses jambes, c'est très beau. Ah là, oh, quel cross du bras arrière. Ah, il est bon Victoria, il est très 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 bon, ce fin technicien Victoria Moni. C'est beau ce qu'il nous fait, c'est beau. Ça, c'est du beau spectacle, c'est de la belle boxe. Voilà, les uppercuts au milieu de la garde comme ça. Ah, il est bon, Victoria, il est bon. Oh là là, c'est beau ce qu'il nous fait. Voilà, les esquives. Ah, il a un beau bus, Victoria. Oh là là, les enchaînements comme ça, puissants et rapides. Oh, quel uppercut. Ah, il l'a touché là sur cet uppercut. Ah là, le changement de garde pour esquiver, c'est beau ça. Ah, on voit de la belle technique là. Alors là, la panoplie de Victoria. Ah, il sait tout faire, Victoria, il sait tout faire. La belle boxe, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est la fin de cette reprise, encore une fois dominée par Victoria Moni. Et c'est reparti pour le troisième et dernier round. On les encourage. De ce choc merci international entre Victoria Moni et le Polonais. Victoria toujours comme il est, posé. Ah, son crochet du bras arrière qui passe au-dessus de la garde, comme ça il est beau. Oh, quelle esquive. Ah, il a un bon but Victoria. Ouh, quel bras avant. Ah, ça c'est du bras avant. Ah, il bloque bien Victoria. Il accompagne bien les coups de l'adversaire. Oh là 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 là. Oh là là, il est beau Victoria, il est beau. Ah, il va chercher au corps en plus, c'est beau. Oh, quel uppercut. Ah là là, il est beau Victoria Moni, il est beau, il est beau. Ah, il nous fait plaisir là, on kiffe là, on kiffe. Oh là là, il va chercher au corps. Oh là là, le bras arrière en ligne. Oh là, le beau bus. Ouh, quel crochet du bras arrière. Ah, il l'a bien touché, Victoria. Il l'a bien touché. Ah, il a essayé trois fois son crochet. Ça n'a pas marché. Il a décidé de prendre autre chose. Ah là, il l'a réussi. Là, il l'a réussi. Oh, quel crochet. Oh, encore un. Oh, il allait chercher au foie cette fois-ci. Ouh.
Victor Allais prépare bien ses attaques. Il est malin, il sait ce qu'il fait. Oh, c'était beau ça. Voilà, il est beau Victor sur cette fin de route là, il se fait plaisir là. Oh, les esquives. Oui. Fin de la troisième reprise. Fin du combat. Ah, Victor. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Victor Harmony, membre de l'équipe de France de boxe. Voilà. J'ai participé à la super gala organisée par Mohamed Messey. Un super gala, franchement, bien organisé tout ça, par rapport à mon combat. Je me sentais un peu fatigué, après j'ai géré, il faut savoir que j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis descendu à changer de catégorie, je suis descendu à 64 kg. Mon adversaire était plus lourd, donc plus puissant que moi, tout ça. J'ai dû gérer et compter sur mon expérience. Et voilà, ça a fait la différence aujourd'hui. Je remercie Mohamed Messey pour ce gala encore une fois. Franchement, super gala, bien organisé. Combat au top, magnifique. Et j'ai envie de dire que merci quoi. Merci.